Ce dimanche 28 mai, le Grand Prix de Monaco a eu lieu. La princesse Charlène a ainsi fait sensation aux côtés de son mari. Le prince Albert avait choisi une magnifique robe Siesti, une des courses les plus mythiques du championnat du monde de Formule 1. Ce dimanche 28 mai, les pilotes se sont retrouvés à Monaco. Après une course folle, rendue dangereuse par la pluie, Siesti Max Verstappen qui a passé la ligne d'arrivée en premier, suivi par Fernando Alonso et le pilote français Esteban Ocon. Comme le veut la tradition, Siesti le prince Albert qui a remis les trophées. À ses côtés, son épouse, la princesse Charlène, était également présente. Et une chose est sûre, la maman de Gabriella et de Jacques a marqué les esprits. Charlène de Monaco dévoile sa nouvelle coiffure. En effet, l'ancienne nageuse de 45 ans avait opté pour une magnifique robe fendue au niveau de la cuisse. Sombre, elle était composée de quelques touches de couleur constituées par des liserés arc-en-ciel. Très élégante, Charlène de Monaco a opté pour un maquillage très léger mettant en avant sa nouvelle coupe de cheveux. En effet, la princesse, qui arbore généralement un blond très clair, a choisi un joli châtain foncé, faisant ressortir ses yeux. Une façon aussi de montrer qu'elle est toujours aux côtés de son époux pour les grandes occasions. À propos de l'auteur-rôle passionné de People, j'écris sur Closer depuis 2020. Vos célébrités préférées n'ont plus de secrets pour moi. Ces derniers articles est Thomas Pesquet furieux, Ferrarissime, le spationaute français tape du poing. Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, en couple depuis plus de 30 ans, pourquoi ne sont-ils pas mâts? Ce que je préfère chez lui, Siesti, le message cocasse de Laurie Tillman au sujet d'une perso.